avec l'initiative de la région Grand Est. En effet, afin de permettre à chacun de se faire vacciner dans les zones éloignées ou permettre aux intercommunalités de mettre en place des centres de vaccination, la région offre l'accès au réseau de transport Fléau Grand Est pour les personnes allant se faire vacciner et soutient à hauteur de 50% le coût des intercommunalités ouvrant leurs lignes de transport à la demande. Jean Rotner, président de la région, nous explique l'importance de ce soutien. C'est vraiment de la compétence des intercommunalités. Donc, c'est elles qui l'organisent. Si elles veulent le renforcer, le message que j'aurais fait passer, j'ai eu plus d'une centaine de présidents l'autre jour dans une visioconférence, le message, c'est de dire, nous sommes à vos côtés, travaillons ensemble, je suis prêt à cofinancer avec vous un renforcement de ce transport à la demande, mais ce sera en fonction de ce que vous pensez être important, pas de ce que moi j'imagine, président de région. C'est à vous, sur le terrain, qu'il revient de décider comment vous organiser, moi je serai à vos côtés.